Hello, hello les amis. Alors, je viens faire les balances pour le mois de février. Les balances. Nous avons le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc on voit ici qu'il faut que vous soyez concentré sur ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Que vous dites les choses comme vous le pensez et que vous devez agir en maître. À côté, vous avez l'impératrice avec l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Voilà pourquoi vous devez agir comme un maître, d'accord? Voilà, vous devez prendre soin de vous et des autres. Répandre vos énergies positives autour de vous en restant concentré sur ce que vous voulez vraiment. Alors, pour les balances, pour le mois de février, s'il vous plaît, les balances. Les balances pour le mois de février. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et que vous avez un don artistique. Des émotions, d'accord? Voilà. Alors, pour moi, ce sera des émotions positives, d'accord? Si vous arrivez vraiment à vous concentrer sur la chose qui est importante pour vous. Alors, pour les balances, pour le mois de février, s'il vous plaît, les balances, pour le mois de février. Alors, nous avons le devin, maladie, tristesse, perte, adversité, as d'épée, grossesse, bonne récolte, obstacle surmonté. Donc, si quelqu'un autour de vous, d'accord, était triste, si il était malade, on voit ici qu'il y a des choses en cours, d'accord, ça va s'arranger. Les obstacles sont surmontés et il y a une bonne récolte. Comme on le sort à côté du devin qui est la maladie et la tristesse, vous voyez que c'est une émotion positive, puisque ici on nous parle de guérison. Ici on nous dit qu'il faut pas vous décourager, d'accord? Ça a été dur, hein, d'accord, mais vous ne devez pas vous décourager. Alors, pour les balances, pour le mois de février, s'il vous plaît, balances pour le mois de février. Il y a aussi beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? Parce que vous avez envie de faire des choses. Mais ces choses-là ne sont pas partagées avec votre entourage. Alors, pour les balances, vous voyez, on vous dit de chasser le négatif. Et plus vous allez être positif, plus vous allez attirer le positif. On vous dit de changer de direction. D'accord? Voilà, vous voyez? Le négatif, il faut le l'éliminer, il faut le chasser. Il faut aller vers quelque chose d'autre.
D'accord? Vous voyez, encore une fois, vos énergies sont trop négatives. Vraiment, il faut changer de direction. Chasser le négatif, chasser les énergies négatives. Donc là, il faut vraiment changer de direction. Soyez confiant, d'accord? Reprenez confiance en vous. Tout peut arriver quand on veut bien y croire. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on a l'été et vous aussi, vous avez le traumatisme d'humiliation, l'envoûtement. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, hein, voilà. Et vous vous sentez humilié. Mais voilà, c'est à cause de vos relations toxiques. On a vu ici, énergie négative, d'accord? Et puis, chasser le négatif, hein, d'accord? On voit ici. D'accord? Vous êtes pieds et mains liés par rapport à des relations toxiques. Et on a la carte de l'été, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez connu cet été. OK? Ça vous rend instable. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de février. Alors, il y en a beaucoup, hein. Alors, le passé, flamme jumelle, lien karmique, oui, vous êtes vous regardez trop vers le passé, d'accord? Maintenant, il vaut mieux regarder vers les gens qui ont les mêmes idées que vous. OK? Alors, on vous dit de tourner la page. Il y a des choses qui sont en cours. Il y a même des tensions. Donc, vous risquez de vous disputer. Hein, voilà. Ou alors, vous allez savoir quelque chose par rapport à des tensions que vous avez connues. D'accord? Par rapport à une trahison. Tout ça vous bloque et vous rend anxieux. Vous voyez, quand on vous dit changer de direction, c'est pas pour rien. D'accord? Voilà. Alors, message de votre ange gardien pour les balances. Ton partage est important. Cette situation est temporaire. Alors, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. D'accord? Ce n'est que temporaire. Mais vraiment, là, il faut que vous changiez de direction. Ne l'oubliez pas. Alors, message de ton âme pour les balances. Pour le mois de février, pour les balances, pour le mois de février, s'il vous plaît. Février, pour les balances, pour le mois de février. Bon, eh ben, on va les prendre, hein. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté. De bons et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avancez et laisse-toi évoluer. Vous voyez, on vous dit vraiment, hein, le passé, laissez-le de côté. Mais maintenant, il est l'heure de faire un point sur la situation. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens
te mène vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vraiment, on vous dit de lâcher prise sur votre passé, d'accord? D'avancer, d'accord? De ne pas avoir peur parce que cette situation n'est que temporaire. Et ici, on te dit vraiment de faire un point sur toutes les tensions que tu as vécues, d'accord? Il faut que tu fasses un point et il faut que tu arrives à tourner la page. C'est important pour réussir, d'accord? Tout ça te rend instable, ce n'est pas bon pour toi. Et les relations toxiques, surtout dans des moments comme c'est actuel, il vaut mieux les mettre de côté, d'accord? Ça ne sert à rien d'assister à garder des gens toxiques qui nous mènent vers le bas plutôt que vers le haut, ok? Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée.